Ça tourne, voilà. Donc là, nous sommes dans le vieux Tulle, le Tulle médiéval. Je fais un tour d'horizon à peu près complet. Et que vois-je devant moi? Une présentation de vélos d'occasion avec des prix qui vont de 15 pour les petits vélos d'enfants à 35, 45 pour les vélos d'adultes. Et aux chances, Irène de l'association Abicyclette est là et nous accueille dans sa petite échoppe. Bonjour Irène. Bonjour. Donc, Depuis combien de temps tu es bénévole à alors moi, je Bicyclette? suis bénévole depuis, il me semble, septembre, octobre. Mais 2017. l'association existait déjà avant. D'accord. Voilà. Ah, et elle est menée donc par Laurent et tout un groupe de bénévoles autour, qui gravitent autour de l'association pour pousser le projet et qu'il avance bien. Enfin, de toute façon, il avance très bien même. Alors l'adresse c'est quoi là? 78 rue de la Barrière, D'accord. à Tulle. On est vraiment tout proche en fait de la place de la. De la cathé. Il y a la rotonde, c'est le Alors, café là. La la cathédrale. cathédrale et la tour La tour administrative. administrative, oui. Non, mais c'est Hein? vraiment le centre. Géométriquement, on est vraiment Ouais. au cœur de Tulle. On te suit donc pour la Oui, visite avec plaisir. dans l'échoppe. Donc, l'atelier. La partie atelier, la partie où on répare tous les vélos. Donc, tout ce qui est outillage, matériel de réparation. Oui, quelques petites phrases aussi. Une jolie sentence, quand on fait, on retient. D'accord. Oui. Et celle-ci aussi est pas mal. Alors, si tu repars le vélo d'une personne, elle pédalera un jour. Si tu lui apprends à réparer son vélo, elle pédalera toute sa vie. Super. Donc, ça veut dire que les gens, enfin, vous essayez au maximum de le faire qu'ils deviennent autonomes et qu'ils prennent Oui, en charge leur vélo eux-mêmes, quoi. tout à fait, D'accord. tout à fait. Leur apprendre à ce qu'ils fassent eux-mêmes leurs propres réparations. Ou... D'accord. Voilà. Moi, actuellement, c'est mon fils. Il vient réparer son vélo. Il en voulait un et il vient réparer lui-même. S'il veut un vélo, ben, il se le répare. C'est pour les D'accord. inciter à. Voilà. Et donc, alors, ces vélos d'occasion, alors, ils arrivent comment? Alors, ce sont des dons. Les gens nous les donnent. Ou nous, on va les chercher soit à la déchetterie. Il y a la ville de Tulle aussi qui nous en apporte. Ah ouais, génial. Donc voilà, on afflue énormément de vélos. D'accord. Et à partir de là, les vélos que l'on peut réparer, on les répare avec les pièces de vélos qu'on ne peut pas réparer. Donc tout ça, c'est de la récup. D'accord. Voilà. Et ensuite, ben voilà, la partie, les vélos qui sont ici sont des vélos réservés, réparés et déjà vendus. D'accord. Donc les propriétaires, enfin ils attendent le propriétaire qui vient les chercher. D'accord. Là, c'est la partie où on stocke les vélos que l'on met à réparation. Donc c'est vrai qu'on a de tout, entre les vélos ados, enfants, vélos de course, vélos de ville, vélos tout terrain, les VTT. Donc voilà quoi, Mais il y en a peut-être quand même qui sont quand même tellement vieux quand, qui partent, que vous. Non, Il y en a des très vieux que vous qui sont arrivez à venus. remettre en état. Ah oui, Ouais, non, d'accord. il y en a de très vieux. Celui-ci est très très vieux. D'accord. Et on l'a remis en état, on l'a briqué. Je vois que les roues, on ne les a pas finies, mais Bon, il a quoi? Il a 30, 30, 40 ans ce vélo, c'est ça? peut-être, sûrement, sûrement. Voilà. Et les gens viennent. Et il y a du vélo électrique ici. Oui. Celui-ci est Ça, parti c'est à un. Laurent. D'accord, c'est un magnifique prototype. Oui. Et ça, c'est du neuf, hein. C'est vraiment du vélo Celui-là, moderne. il est neuf, oui. Ouais, d'accord. Oui, Bon, on oui. va pas trop Celui-ci. le montrer, en fait, Et celui-ci, c'est ce un vélo de joyau. course. Ouais. Voilà, qui attend un preneur. D'accord. Il y a déjà un prix, peut-être? Non, on ne sait pas. Il y a un prix de 200 euros. D'accord. Mais c'est vraiment le boum, il est d'une légèreté. Mais C'est c'est. vraiment. Oui, c'est de la fibre, en fait. Non, c'est. Sûrement. Ça, par contre, ah oui, c'est de la fibre. Un C'est câble en hyper fibre. léger. D'accord. Oui, puis en plus, c'est un vélo. C'est sur mesure, ça, c'est le constructeur, le fabricant Brivis, c'est ça? Je reconnais le nom, là. Et donc, vous avez des moments conviviaux aussi Alors, il y a des réunions. D'accord.
des réunions. Oui, toute association. Et puis, il y a aussi, Laurent organise des sorties, comme par exemple hier soir, la sortie cinéma. Il fait aussi des, prévoit des balades, balades à vélo. D'accord. Voilà, avec toujours un objectif, soit découverte de la ville. Il avait fait, c'est l'an dernier, mais lui vous en parlera mieux. Ils avaient fait sur une semaine du vélo. Donc ils sont. Ouais. Un camp itinérant en vélo. Ouais, D'accord. ouais, Super. ouais. D'accord. Bon, et eh bien donc, de toute façon, les gens peuvent vous retrouver sur le site internet. Oui, et on a deux numéros de téléphone. Et le site internet, est-ce que tu le connais de, par Alors, cœur? c'est. On va peut-être le prendre en Il carrément. me saoule. Alors, le site internet, est-ce qu'il est dessus? Oui, il est là. À bicyclette. Alors ça c'est l'adresse, ça c'est le, ça c'est l'email ça. Ah oui, c'est l'adresse email. On n'a pas. Et il y a le site internet, mais il n'est pas très actif encore. Association à bicyclette. Alors à bicyclette tu la rebasses tatata et bon, enfin bon, moi Et j'ai trouvé facilement en tout cas sur les moteurs de oui, recherche on le trouve. quand on écrit Abicicat Tulle, on l'a en Ouais, premier en principe. association, Oui. voilà, il n'y a pas de souci. Ben Donc voilà. merci pour Mais avec la plaisir. visite et pour l'accueil. Merci bien. Ah, bon.